tous les disciples devraient déjà avoir maîtrisé la sexualité sacrée. Faire l'amour n'a jamais été un mal ou un péché. Faire l'amour est d'ailleurs une grande dimension spirituelle qu'on doit arborer dans sa vie. Aucun individu, fût-il Jésus, fût-il Mahomet ou fût-il quelque autre soi que possible dans l'univers, n'a pu arriver à l'élévation spirituelle sans passer par la terrible voie sacrée qu'est la magie sexuelle. Il faut passer par là afin d'arriver à l'élévation spirituelle. D'ailleurs, même le feu cosmique est intérieur. Nous l'avons dit, le feu cosmique intérieur n'est autre chose que notre énergie sexuelle. C'est le carburant qui élève notre conscience vers Dieu. C'est ce seul carburant qui est le talent. Le talent, l'huile qui doit luire afin que nous puissions être comme la lumière du monde, devra donc être nourri par le feu sacré. Et ce feu sacré est cosmique. En soi, il n'est autre chose que notre énergie sexuelle. Le premier grand rituel que nous devons faire, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle l'acte sacré, ou alors en d'autres termes, le culte d'action de grâce que nous devons faire à Dieu. Alors comment ça se passe dans ce premier rituel? Il faut déjà que vous ayez une copine brave, ou alors une femme brave, ou alors avoir une partenaire ou un partenaire qui soit capable de pouvoir vivre avec vous cette félicité sacrée. Parce que s'il faut jouir, dans le sens physique du terme, mais dans le sens spirituel du terme, il ne faut pas jouir. Il faut atteindre la félicité. Parce que jouir est indiqué par l'érotisme, mais par contre, la félicité est indiquée par l'élévation spirituelle, donc par le nativisme. Renaître d'en haut, ça veut dire justement que aboutir à une sexualité qui permette que l'on puisse ouvrir les plans supérieurs. Une fois qu'on a ouvert ces plans supérieurs, on atteint donc maintenant l'extase mystique. C'est cette extase mystique qui n'est autre chose que la félicité, ou alors en d'autres termes, qui est autre chose que la lumière subliminale de notre conscience. Quand on l'atteint ainsi, on y est. Alors, quand on est donc avec une femme, ou alors une femme, on est avec un homme, le tout c'est d'éviter de jouir. Il ne faut jamais jouir. Parce que la jouissance déperdit le corps, déperdit l'être, déperdit les corps de l'être. Mais par contre, la rétention de la jouissance n'est autre chose que l'élévation interne, ou en d'autres termes, la jouissance interne, qui permet que l'individu, au lieu de jouir, donc d'aboutir à un libre plaisir, si minime soit-il, il faut simplement arriver à la félicité qui n'est autre chose que le contraire du plaisir sexuel. Le nativisme, la renaissance spirituelle, on l'aboutit seulement en faisant l'amour, mais en se retenant et en se gardant de jouir. Il ne faut jamais jouir. D'ailleurs, la jouissance est appelée la fornication. Ça veut donc dire que le problème de fornication n'est pas un problème typiquement théologique ou religieux qui voudrait dire que forniquer, ça veut dire faire l'amour entre deux conjoints qui ne sont pas mariés. Non, même en étant marié, on pratique la fornication quand on va dans le sens du plaisir. Deux personnes mariées légalement, religieusement, civilement, qui ont un état civil, peuvent aussi concourir à la fornication quand ils font l'amour par érotisme et non par nativisme. Bref, quand on pratique la sexualité par érotisme, c'est-à-dire par l'aboutissement à la jouissance physique, on est un fornicateur. Par contre, qu'on soit marié ou non, quand on a une activité sexuelle dans le but d'atteindre la félicité, c'est-à-dire le nativisme, on renaît d'en haut, donc on s'élève spirituellement. C'est pour ça que dans l'acte sexuel, il faut éviter de respirer. Il faut d'abord commencer par le préliminaire, c'est-à-dire l'homme et la femme se caressent. Dans leur mouvement de caresse, ils sont en train de réveiller en eux des sensations profondes qui vont faire aboutir à l'élévation de l'adrénaline. Une fois on aboutit à l'élévation de l'adrénaline, donc au summum du plaisir, donc du désir, ils peuvent donc commencer par faire l'amour. Ils font l'amour selon les positions qu'ils veulent, mais à condition de ne jamais jouir, ni